Construisons dans un premier temps l'enforme taille dos et dans un deuxième temps l'enforme taille devant. Pour cela, nous utiliserons dans le menu F1 les fonctions droite, parallèle, dans F3 suppression. Ajustement de ligne, fusion de courbes, dans F4 fini, dans F5 fusion. Commençons sur le dos à tracer la pince de taille. Avec la fonction droite, dans F1, je sélectionne un point du côté de pince, T1, puis T1 sur le sommet de pince, T1 sur le deuxième côté de pince et T1 sur le sommet. Avec la fonction parallèle dans F1, je vais créer une parallèle à ma ligne de taille. Pour délimiter la hauteur de l'enforme, je sélectionne la ligne de taille, T1, je glisse la souris vers le bas, je mémorise le signe devant le nombre dans la fenêtre qui s'est affichée en haut à gauche, j'entre dans celle-ci avec les flèches en bas à droite de mon clavier et j'enregistre la hauteur de l'enforme. En respectant l'unité, puis entrée. Pour une meilleure visibilité de ma construction, je sélectionne la loupe. T1 enfoncé sur la feuille. Je glisse la souris en créant ainsi une fenêtre englobante et je lâche. Pour ajuster la ligne de l'enforme à la ligne de côté, je sélectionne dans F3 la fonction ajustement de ligne. Je sélectionne l'onglet à droite de la fonction. Une fenêtre s'est affichée dans laquelle je sélectionne l'option supprimer dernier point et je ferme cette fenêtre. Pour ajuster les deux lignes, je commence à sélectionner la ligne de l'enforme, T1, puis la ligne de côté, T1. L'enforme est maintenant fermée. Avec la fonction fini dans F4, j'extrais chaque partie composant l'enforme sans la pince. T1, T3, T1, T3. J'utilise le raccourci, la lettre petit J de mon clavier pour faire apparaître les deux parties composant cet enforme. On identifie la première partie extraite la plus loin à droite de l'élément et la deuxième partie extraite la plus près de l'élément. Avec la fonction suppression dans F3, je supprime les DL qui sont à l'extérieur de mes éléments. J'utilise le raccourci, la lettre petit a, pour réduire mes feuilles. Pour constituer l'enforme en un seul élément, je sélectionne dans F5 la fonction fusion. Pour conserver le milieu dos droit fil, je sélectionne le côté de pince de l'élément qui va pivoter. T1 sur le premier point, T1 sur le deuxième point. Je l'approche de l'élément fixe
T1 sur le premier point, T1 sur le deuxième point. Je corrige les points. Dans F3, je sélectionne fusion de courbes. T1 sur les points. Et je supprime un cran inutile et les points inutiles. J'inscris le droit fil. Je sélectionne repère non typé, T1 enfoncé. Je lâche la souris à la hauteur de repère droit fil. J'actionne la touche CTRL de mon clavier. T1 à l'intérieur de l'élément et T1 pour fixer le droit fil. J'utilise la touche petit J pour ranger toutes mes feuilles sur mon bureau. Je fais de même pour le devant. Je prends la main. Je sélectionne le devant. J'utilise la flèche en haut à droite de mon clavier pour avoir cet élément en grand sur mon bureau. Avec la fonction droite, je trace la pince. T1, T1, T1. Avec la fonction parallèle, je délimite la valeur de l'enforme. Et j'ajuste cette ligne au côté. Avec la fonction fini dans F4, j'extrais chaque partie T1 à l'intérieur, T3, T1, T3, J pour ranger. Avec la fonction suppression dans F3, je supprime les DL à l'extérieur des éléments. Et j'utilise le raccourci la petite lettre A pour réduire le format de mes feuilles. Pour fusionner les deux éléments composant mon enforme devant, dans F5, je sélectionne la fonction fusion. Pour conserver le milieu devant droit fil, je sélectionne le côté de pince de l'élément qui va pivoter. T1, T1 sur chaque point d'extrémité du côté de la pince. T1, T1. Avec la fonction suppression dans F3, je supprime un des deux crans. Et avec la fonction fusion de courbe, je corrige les points. Je supprime les points inutiles et j'inscris le droit fil. J'utilise le raccourci, la lettre petit J, pour ranger toutes mes feuilles sur mon bureau. Et j'ai terminé.